Et devant cette conjoncture morose, Raphaël, ajoutée au confinement, eh bien, l'angoisse de reprendre le travail est là. Et oui, hein. Écoutez Marie par exemple, elle a 45 ans, elle est maman de deux enfants, elle est prof de management et de gestion à l'université. On va nous demander immédiatement d'être très présents sur nos lieux de travail et d'être aussi performants qu'on l'était avant. Simplement, tout va nous demander beaucoup plus d'énergie, le respect des gestes barrières, l'idée que il va falloir penser tout ce qu'on fait avec moins de 10 ou 15 personnes dans la salle, qu'il va falloir mélanger à la fois à chaque fois de la visio, du présentiel. On nous prévoit une rentrée échelonnée. Moi, j'ai une enfant qui est en seconde. Elle rentrera que 3 semaines après la rentrée programmée. Puis, ils vont être manifestement accueillis en petits groupes. Ça veut dire, en vérité, qu'on va devoir continuer à assumer l'école à la maison tout en devant reprendre 100% de nos activités professionnelles. Et ça, je ne vois pas comment je vais pouvoir le faire. Voilà l'angoisse de Marie, 45 ans, avec Ève Roger.